Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo, il y a toujours mon chalin comme au dernier débrief, ça change pas. Bref, on va débriefer ce match Manchester United Paris Saint-Germain qui était super important les gars pour que Paris se qualifie parce que là clairement Paris jouait ou la première place ou la qualification. Enfin après pas la première, enfin si il pourrait jouer la première place aussi parce que si les trois équipes étaient à 9 points, là ça faisait que voilà, Paris était premier au-dessus de tout le monde, puisqu'ils avaient gagné au goal average particulier, Manchester United et Leipzig. Le match, les gars, va commencer très bien pour les Parisiens, puisque dès la sixième minute de jeu, Neymar va marquer. Et bon, clairement, les gars, il est au taquet de chance, parce que c'est Mbappé qui fait tout. Et le ballon retombe pile sur Neymar, qui a juste ajusté le gardien. 1-0 pour Manchester United. Paris garde la maîtrise du ballon. Fred, ça a fait un peu polémique. Est-ce qu'il mérite carton rouge? Tout ça, pour moi, il ne mérite pas de carton rouge. Pour moi, c'est un jaune. En plus, Paredes simule. Pour moi, il y aurait eu même limite jaune pour Paredes. Mais bon, jaune pour Fred, ça me semble normal. Juste après, les gars, d'ailleurs, Rashford va frapper, les gars. Et ça va être arrêté par le gardien Keylor Navas. Enfin, non, je sais plus qui va frapper, Fred ou je sais plus. Arrêté par le gardien Keylor Navas. Frappe ensuite de Rashford, contré par Danilo. But 1-1, sauf qu'à la 60e minute de jeu et un peu plus, Paris va marquer le but du 2-1. Et dans la foulée, il y aura un carton rouge. Bref, c'était un très beau match, les gars, avec beaucoup d'action. Vraiment, je me suis vraiment régalé devant ce match. Bravo à Paris, qui voilà, a encore des chances de finir premier du groupe, tout ça. Parce que voilà, leur prochain match, c'est Kumbashakshir. Bref, voilà, mec, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Et les gars, seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est salut.